go for molecular reduction. Things are fine. Also, did with the outfits and backpacks they were snatched in. Body mass readout is an acceptable range. The skin fold degradation is minimal. Specimen vitals are stable and holding. Looks like we've done it. Great job, everyone. Let's set up 3 more trials for replication. Sorry to crash your party. The Defense Department has arrived early to discuss Project Orc. The director needs you to be present at the meeting. Not sure what's worse, our director or a 3-hour meeting with the military. Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Grunted. J'ai fait une petite upgrade, petite mise à jour de notre tour. J'allais dire notre base, mais c'est plutôt une tour. On va prendre ça. On a récupéré des nouvelles choses aussi. On va devoir les analyser. Alors, pam. Je vais voir ce que j'ai. On a ça. Je sais plus si... Ouais, ça doit être utile à faire quelque chose. J'ai récupéré un morceau de champignon comme ça, là, le marron. Je sais que normalement il y en a 2 sortes, il y a le rouge et après il y a le marron aussi. Les deux sont utilisés pour faire la même chose, je crois bien, donc peu importe. Mais c'était en tuant juste un charançon. Donc, ce que j'ai fait pour la base, donc je vais vous montrer en fait, on va sortir. Honnêtement, je suis content parce qu'elle elle est vraiment stylée. Donc la dernière fois on avait débloqué pas mal de petites choses. Don't even need to boil it. Très bien. J'ai pas de... Attends, j'ai de la nourriture en haut ou pas? Merde. Ouais, c'est bon. Donc la dernière fois, on avait débloqué, en fait, c'est pour ça que j'avais pas de mur, on a débloqué les formes arrondies. Les formes arrondies, du coup... donc ça, tout est incurvé, en fait, toutes les choses incurvées. Donc c'est cool. J'ai voulu garder... Alors j'ai pas voulu faire tout en herbe, j'ai pas voulu faire non plus tout en tige, parce qu'il y en a pas beaucoup, en fait. Donc j'ai fait un mix, donc j'ai décidé de faire ça. Ces murs-là, les murs robustes, là incurvés, c'est plutôt cool, pardon, c'est plutôt cool. Et du coup, ça nous donne ça, donc je suis assez content. Donc là, il n'y a pas de fenêtre, parce qu'il y a la plante, en fait, juste à côté. Là, il y a des fenêtres. Donc voilà, en gros, là, c'est incurvé, ça fait une tour. Après, c'est plat, c'est droit. Et après, ça continue à faire incurvé. Du coup, ça fait une tour un peu large. Et pour l'intérieur, en fait, c'est vachement bien pour mettre les choses, du coup. Parce que bah là, ça me fait de la place. Aussi, j'ai crafté ça. On l'avait débloqué il y a un petit moment. Donc, j'arrive à mettre un escalier en fait sur le côté. Après, j'ai refait pareil. Un étage. Et puis après, encore un escalier qui se remet là. Et après, on va faire, je pense, encore plus haut. Mais pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Mais je pense qu'on va faire encore plus haut après. Je pense faire une tour et des accroches, en fait, pour les tyroliennes. Je pense qu'on va faire ça. J'ai fait un lit, donc maintenant quand on dort, on a ça. On a faim confortable et soif confortable, donc on a moins faim et moins soif. Aussi, on est passé, en regardant à droite, à côté des... comment ça s'appelle ? Des duvets, là, des pissenlits. On est au niveau 2 de confort, donc du coup, le 2 de confort, ça nous donne donc taux de faim de confort et taux de soif de confort. Donc maintenant, on a la soif en plus. Ça m'a aussi débloqué des trucs. Alors, je sais plus vraiment quoi, je vais être honnête. Mais c'est des crafts surtout pour encore le confort, je crois bien. Étagère, je pense que ça, c'est nouveau. Les bougies, oui, les bougies. Les bougies, ça, c'est nouveau. J'en ai fait une ici. Donc, c'est sympa. Ça, donc, du coup, c'est bien des tiroirs. On peut ranger des trucs dedans. Donc, j'ai mis tout le vieil équipement qu'on avait. Ça. C'est quoi ce bruit? T'as une abeille au-dessus? Ah oui, il y a une abeille qui est passée. Donc voilà, ça c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai fait un équipement de coccinelle. Donc on a l'équipement entier de coccinelle. Ça nous donne donc étrinquer cartes, bloquer des attaques te permet parfois de te soigner, donc ça c'est bien. Et honnêtement, pour le solo, c'est peut-être potentiellement la meilleure armure, surtout au début. Donc on a armure lourde, force de parade. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai un peu augmenté les armes, il y a ça que j'ai augmenté à 2, ça on est à 5. Les armures, je crois qu'elles sont à 3 chacune, voilà, donc elles ont un peu plus de défense. On a un masque à gaz qui est niveau 5.
5 et 3. Donc voilà. Ah oui, aussi j'ai utilisé des... Bah tiens, on va aller scanner les choses quand même. J'ai utilisé des molaires parce que je suis retourné en fait à l'arbre, au chêne. Et du coup, on a le laboratoire avec le robot et tout ça. Et il y avait une molaire en or. On l'avait vu hein, dans un épisode. Mais du coup, je l'ai récupéré. Et du coup, j'ai pris ça, la pile des consommables. Donc c'est plutôt bien parce que du coup, ça nous permet de rester un peu autonome plus longtemps. Donc 10-10, 10-10. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà. Et après, j'ai récupéré une autre qui était bah, proche du chêne, en fait, qui est juste devant le chêne, sous la... Je crois qu'elle était sous la canette qui est à l'extérieur. Genre... le labo du chêne, il est où ? Ça, le labo du chêne. Bah tiens, il y en a une encore à récupérer. Mais il y a celle-là, voilà. Celle-là, je crois que je la récupère. Pourquoi ça me les met maintenant ? C'est parce que je les ai vues. Mais je les ai cassées, on est d'accord. C'est bizarre. Peut-être qu'il faut s'approcher ou alors les casser. Je sais pas trop. Donc ouais, on a ça. Quoi d'autre ? Ben on va analyser, oui, du coup. Normalement, ça va peut-être pas nous donner grand-chose, voire rien. Très bien. Ah, les briques de champignons. Voilà. Alors, comment on fait les briques ? Que je me rappelle maintenant. C'est où les briques ? Ah merde, j'étais pas dans le bon truc. Donc oui, la lisière avec ça. Ingrédients manquants. Ah, la fournée. Voilà, ok, d'accord. Ok, donc c'est la fournée pour faire des briques. On n'a pas encore la fournée. Ouais, je crois qu'il va falloir du charbon et tout ça. Ouais, je pense que c'est avec le charbon. Aussi, à un moment, j'ai voulu... parce que les lances, honnêtement, elles sont un peu pourries. C'est les lances de base. Hein, c'est vraiment juste pour le fun de les avoir. J'ai voulu crafter des meilleures lances. Mais du coup, ça serait ça. Lance à d'armes. Il faut tuer des abeilles. Et des abeilles, on n'en a pas vraiment beaucoup proche de nous. Donc, c'est un peu la merde. Après, je me suis dit l'aiguille en moustique. Mais bon, c'est pas vraiment très utile non plus. Donc, pour l'instant, on reste à la masse. Et à l'arbalète. C'est la masse et l'arbalète, hein, nos armes principales pour le moment. Donc ouais. Voilà, je crois que j'avais fait des... Ouais, ça, voilà. Nickel, très bien. Ça, c'est... Ah, ça. Voilà, très bien, très bien. Faudrait que je récupère plus de champignons en fait. Pour qu'on fasse des plein de lisières de côté, puis après on fera plein de briques. Donc voilà. Donc voilà. Ça avance bien. Je crois que j'ai vraiment plus rien à mettre en. Sur le séchoir en fait. Non, pas vraiment. À la limite, ce que je peux faire, c'est mettre ça. Comme ça, il y a des trucs qui sèchent. Oh, pardon. Voilà, très bien. Bon, bah c'est bon, on peut y aller. On peut y aller. Alors ce qu'on va faire du coup, bah, c'est partir vers le gaz. Voilà, tout simplement. On va partir vers le gaz. Aussi, il va falloir que je stoppe l'ordinateur là. Parce que l'ordinateur, en fait, il était réglé sur des coccinelles parce que je me faisais l'armure. Mais du coup, on n'a plus rien à faire. Quoi. Parce que j'ai mon armure. Donc ça, comment on fait ? Comment on annule l'enquête, tout simplement ?
Passer les points de passage. Enquête, ressources d'enquête. Non, bah c'est pas grave en fait. Allez, on y va. Donc ouais, je suis assez content. Nouvel équipement et tout. Le, notre petite tour là, elle commence à être vraiment cool. Donc ça va. Par contre, on a une armure lourde. Je vais être honnête, c'est un peu compliqué parce que on perd énormément de d'endurance quand on attaque. Donc faut faire attention à ça. Maintenant, on a notre casque. Donc notre masque qui nous fait ça. Protège de tous les dégâts et les effets de gaz. Donc, c'est plutôt cool. J'aime bien que le son il soit étouffé par le casque en fait. Très bien. Non. Je sais plus comment il fait, il explose, non? Ouais, il explose. Il explose. Donc ouais, ici c'est la moisissure qui prime, donc tout le monde a été, beaucoup de bestioles ont été contaminées, et du coup elles explosent. C'est quoi qui m'a vu ? Après je vais être honnête, c'est pas mal parce qu'il y a plein de d'autres bestioles en fait qui meurent à cause du gaz. Et du coup, on peut récupérer leur corps et récupérer plein de ressources. Mais ouais, c'est dangereux ici. C'est surtout, si je me rappelle bien, c'est les larves infectées. Elles sont assez vénères. Ah, ça c'est une punaise. Ouais, la punaise, elle s'en fout. Ah! C'est un carrière, c'est fini. Eh ben, ça en a de la vie. Sérieux là, combien il y en a? Oh la vache, je peux pas faire plus de dégâts que ça parce que... Oh merde! J'avoue que les machins ils en ont de la vie hein. Y arriver hein. Je dis pas de bêtises, ils ont augmenté de je crois de 20% la vie des ennemis en mode impitoyable. Mais bon, vu qu'il y a, plein de choses qui pourraient améliorer la survie et tout, théoriquement c'est plus simple. Ok, c'est cool. Il y a aussi un truc que je me suis rendu compte, parce que je suis allé vérifier en fait mes anciens streams et tout ça. Mes anciennes vidéos quand le jeu était sorti. Oh mon dieu. Ah, on l'a eu, ça va. Il n'y avait pas les altérations d'état en fait qui apparaissent sur les ennemis. En tout cas, j'avais un doute sur ça. Mais ouais, on pouvait pas savoir genre tel ou tel poison, si ça fonctionnait et tout. Il fallait regarder la vie. Et par exemple, si on mettait du poison ou est toxique, je vais appeler ça toxique parce que je sais plus exactement ce que c'est. Donc ça fait deux types de poison, il fallait voir la vie si elle baissait en fait deux fois et tout ça. C'était très très chiant. Et maintenant, ouais, maintenant on voit tout en fait. Ça c'est plutôt cool. Genre quand on faisait saigner les cibles et tout, il y avait écrit saignement.
Il y avait plein de choses qui s'affichaient pas en fait avant. Air crossing. Donc ouais, c'est plutôt bien ça de d'avoir cette différence. Eh ben, si vous vouliez des morceaux de fourmis, hein, y en a plein. Hein. Would you look at that? It's super infected. On a une coccinelle aussi. Mark that one off the list. Le coccinelle infecté. Ah bah tiens. Larve infectée. Je sais plus à quoi elles sont sensibles ou résistantes, les larves infectées. Et taillade. Il faudrait utiliser la hache, je crois. Faudrait que j'aille trouver le. No water filtration tablets needed. Comment ça s'appelle? Le site de recherche en fait. I'm holding raw science in my hands. What does it even mean? Ok, très bien. Je crois qu'il va nous falloir des bombes ici. Si je dis pas de bêtises. Là, on a un chewing gum. J'ai pas la pelle niveau 2. On va revenir vers le centre. Ah, ça change un peu hein, le décor. Ça change un peu. Hein. D'accord. Je crois que ça, on peut les couper, ça. Ouais, ça nous donne plein de moisissures. Wow, il y a plein de toiles ici. Acariens encore, c'est la galère. Honnêtement, je sais plus vraiment où il faut aller. Parce que ici, j'ai dû le faire genre une fois cet endroit. Ah, il est là. Le labo. J'ai cassé une lance ? Ah non, c'est quand elle vous tape, elle vous fait tomber les armes. On a plein de trucs, c'est abusé. Alors ça, il faut une bombe, ouais, il faut quelque chose. Alors, je crois que on peut faire venir en fait quelque chose qui explose. Et ça devrait fonctionner en théorie. Je crois qu'on peut faire ça. Just pretend it's beef jerky. Parce que j'ai pas de bombe sur moi, j'en ai pas crafté. Là on a les champignons. Ah toi, viens ici.
T'es où? Après, le mieux c'est de faire des bombes, hein, mais. Oh, il s'est bloqué dans le sol, cet abruti. Super. Oh, ok, let's go. Non. T'es pas assez proche. Ah, c'est un peu délicat, hein, de le faire comme ça, mais on va sûrement devoir aller faire des bombes. On va encore un peu se balader. Alors toi, je voudrais bien te combattre. J'ai tout loupé, c'est ouf. T'es sérieux là? Genre j'ai tout loupé, mais toutes mes parades j'ai tout loupé. Non, c'est pas ça. Ça prend quand même beaucoup d'endurance. Ah mais je crois que c'est parce que j'ai barbare en fait. Du coup je peux pas faire des parades parfaites. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Je fais plus de dégâts mais je peux pas parer. Enfin je peux pas parer parfaitement. Du coup, je sais pas trop si barbare c'est vraiment bien pour moi. Je sais pas trop quoi prendre. Ah, viens ici. Non, mais... Faut que j'arrête d'appuyer sur R. Hein. Pour recharger. Faut vraiment que j'arrête de faire ça. Putain, ils aggro de super loin ces trucs, ça pue. Ah, il s'est encore bloqué. Alors, le. Ah, le labo de recherche est là-bas. Ça marche. Cette zone est assez dangereuse. Donc, ça, c'est ça qui pollue l'atmosphère en fait. Alors ce que vous pouvez faire, si à moins que c'est changé, mais ça doit, je pense pas, c'est que le gaz, en fait, il est répandu du coup ici, dans une zone, hein, donc dans cette zone-là. Et ce qui se passe, c'est que du coup, les créatures infectées, bon, ça a infecté les créatures, mais les créatures, du coup, elles restent là. Parce que les créatures infectées, en fait, elles vivent ici. Et voilà, quoi. Il y a quoi ? Du coup, elles restent toutes là et elles bougent pas. Elles vont pas se répandre dans le jardin.
Il y a un truc, c'est que si on a du chewing-gum, on peut bloquer la fuite. Et du coup, il n'y aura plus de gaz qui s'échappe. Donc cette zone, on pourra y aller sans gaz. Ce qui est sans masque à gaz, donc ce qui est bien. There's a spiderling running around here. Oh, qu'est-ce qu'elle... Ah, regardez, on voit qu'elle a du gaz aussi. C'est marrant, ça. Là, on prend quand même nettement moins de dégâts, hein. C'est vraiment cool. Là, vous faites un peu chier, là. Bon, il y en a plein. Ah, oui, je comprends pourquoi il y en a plein en fait. Je comprends un peu. Alors, je veux bien, je vais être honnête, je veux bien la combattre. Faut que je vire des trucs là. Ça, c'est pas intéressant non plus. Ouais, je veux bien la combattre, je veux bien tester. The wolf spider, part wolf, part spider. All venomous, all deadly. Il y a des trucs en bas. Parce que normalement, elle devrait se prendre le gaz aussi. Oh mon dieu. Je me rappelle un peu comment les combattre. Je me rappelle vite fait quand même. Elles sont quand même horribles. Hein. Non! Ah oh, putain de merde! J'ai merdé! Ah ça va. Ah j'ai merdé. On y était presque, on avait fait moitié de la vie, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de vie, j'ai plus trop l'habitude de bien parer. Et on n'a pas beaucoup de vie, nous, parce qu'on n'est pas... On n'a pas trop de molaires, là, de milk molaires, et on n'a pas... On n'était pas full équipement aussi de la coccinelle, donc bon. Mais bon, on a le gaz aussi, on peut pas vraiment survivre. Après, elle court tellement vite, c'est chaud à la qualité. On va passer par l'autre côté. J'ai vu qu'il y avait un message comme quoi les insectes savent que vous êtes là. Je crois que c'est les araignées, du coup. On risque de se faire attaquer par des araignées parce qu'on a tué beaucoup de petits. Plus combattre la wolf, là. Ça fait un peu chier, l'équipement il a pris cher. Après, un truc pour qui est pas mal pour réparer votre équipement, c'est de l'améliorer parce que ça remet toute l'endurance à 100%.
de l'équipement. Elle tire des bombes. Ah, c'est embêtant. J'aurais vraiment voulu la faire. Plus vraiment l'habitude. Ça, notre sac est là. Après, honnête, je vais être honnête, je sais pas où la... où on pourrait se la faire. Puis j'ai pas une bonne arme à une main, en fait. Donc je suis obligé de la faire à la masse. Après, est-ce qu'on peut faire venir ça et les deux, ils se mettent sur la gueule? Ce serait assez marrant, mais je crois pas que ça marche. Oh putain. Après, c'est pas mal pour tout détruire. L'habitude de recharger. On peut pas se mettre sur la gueule là. Non, j'y arrive pas du tout. Ah, ça y est. Ah, je suis mort du poison. Ouais, même là, le soin. Putain, mais je vais détruire mon équipement. Même le soin, en fait, il est pas assez fort. Le régène que j'ai, il est pas assez puissant. Contre le poison. J'ai pas de mutation contre le poison et j'ai pas d'augmentation par les milk molaires. Bon, on va arrêter de faire ça parce que c'est... La perte de temps, la perte d'équipement. Là, c'est complètement con. Bon, après, elles étaient en train de se mettre sur la gueule, mais bon, de toute façon, ça va... Ça va reset, ça sert à rien. Ah, c'est embêtant. Water filtration tablets needed. Ouais, un pont. C'est horrible de faire tout le tour à chaque fois. Faudrait qu'on construise un pont. Bon, on va aller au poste de recherche. Ah, je suis désolé, je voulais vraiment pouvoir mieux la combattre. Parce qu'il y a Gaz qui commence à être fatigué. Quelqu'un est décédé ou pas? Je sais même pas où c'était, je crois que c'est là-bas. Après, tant qu'on... Oh putain, ça va être fait. Non, on se casse, on va aller au poste de recherche. Ah, elle est là, non. Science.
cherche. Très bien. J'aime bien le masque, vous voyez, on a le contour en fait quand on est en première personne. Alors ça, il faut le couper entre les explosions. Voilà, très bien. Parfait. Qu'est-ce qui se passe ? Encore. Un dossier. La nourriture. On va détruire ça parce que ça c'est ça court les rues où on est. Allez, on analyse la mordissure. Science. Ouais. C'est quoi ça? Franchise de décembre. Arbre de Noël, couronne de fête. C'est nouveau ça. Ah, c'est bien, on peut faire des arbres de Noël et tout. Ah, c'est cool. Collection de panneaux de décembre aussi. Ok. Je sais pas si ça va rester ou pas, on va prendre les deux. Ok, très bien. En tout cas, nous on n'est pas vraiment là que pour faire ça. Du coup, j'ai plus de nourriture sur moi, parce qu'on est mort plein de fois. Putain, on a tout notre... Notre équipement, il a souffert. Ah oui, elle explose quand elle fait ça, putain. Merde. Mon Dieu. Ouais, va falloir rentrer de toute façon. Mon Dieu, carnage quoi. Allez, on rentre, on rentre, on rentre. Quel carnage. Ouais, il va falloir faire le tour. Ah, on peut monter là-dessus. Je crois qu'il y a des choses au bout à faire. Mais bon, on a plus de nourriture, plus rien, donc... Oh mon Dieu, absent. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Le galère. Bah, si c'était au poste de recherche, c'est lequel? Oh mon Dieu. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe quoi. Faut quoi pour réparer? Ah bah ça c'est pas mal ça. Alors ça je l'ai pas vu venir.
Bon bah c'est bien, ça se passe super mal, c'est cool. C'est un peu incroyable. J'avoue que ça se passe super... Bon, on n'est pas méga loin non plus, faut l'avouer, donc ça va. Il y a pire, mais ça se passe vraiment mal. On n'a pas accompli grand-chose, quoi. On n'a vraiment pas accompli grand-chose. Est-ce que je peux... Ah, j'ai pas de chance. Ok, on va aller récupérer notre matos. Ah, je voudrais bien de la vie aussi. Don't even need to boil it. Est-ce que je peux me faire à manger vite fait ou pas? One long schnoz, good for sniffing. Il y a le masque à gaz là, je crois que je l'ai mis niveau 5. Ce que je peux faire aussi, c'est maintenant. Alors, j'ai pas encore la pierre pour, mais on pourra le spécialiser dans la résistance d'explosion. Genre là. Genre, je fais ça. Maintenant. Parce qu'il est niveau 5, donc après on peut choisir des trucs. Donc, si je continue normal, il va prendre un plus 10% au lieu de 5%. Par contre, là, il prendra seulement 5%, mais il aura résistance aux explosions. Donc ouais, c'est pas mal, ça. Mais ouais, ça se passe vraiment, vraiment pas bien. Abusé. Abusé. En plus, si je dis pas de conneries, on est tombé vraiment dans le coin. Donc je crois que notre équipement, il est genre super... genre au bout de la sortie, quoi. C'est vraiment... c'est à l'opposé de la sortie, en gros. Donc ça va être vraiment fun. Genre la sortie, je crois que c'est de ce côté, du coup. Oh mon dieu. On voit strictement rien. Ça aussi, ça a pété, je crois. Oh, on est passé. On est passé. Alors, j'avoue que notre personnage en fait est pas assez puissant techniquement. Faudrait grosso modo en fait farmer un peu à droite et à gauche, ou alors être meilleur. Ouais, être meilleur aussi, ça marche apparemment. Je suis pas assez bon, donc du coup c'est compliqué. Voilà, très bien. Par contre, on a récupéré pas mal de choses, c'est bien. On va mettre ça là, on va mettre, je crois que j'ai un coffre ou ouais, j'ai rien dedans. Très bien. Sont pleins encore une fois. Celui-là là-bas. Oui, il est plein aussi. Il y en a un, oui, il y en a un qui reste encore quasiment rien. Donc, voyons voir ce qu'on peut faire.
a ça, on a notre équipement, ça va. Ça, je crois que je peux pas l'améliorer, du coup on va devoir le réparer. Ouais, on va devoir le réparer. C'est un peu embêtant quand même, mais bon. Ça, je veux bien réparer mon petit bouclier aussi à la noix. Très bien. Après, est-ce qu'on peut y aller avec un... Techniquement, un meilleur set, une meilleure préparation. Ouais, on peut faire du de la distance. La distance aide beaucoup, on va dire. Les lances, je crois que je vais arrêter de les utiliser. Elles me servent plus à rien. Je fais tellement pas de dégâts avec les lances. C'est, ça fait un peu débile de les, de se trimballer avec les lances, en fait. J'avoue. Elles servent vraiment plus à rien. C'est juste que j'ai pas d'arme à une main en fait. Pour le moment. Va falloir que je me fasse un truc. Enfin bref. Enfin bref. Donc. Arbre de... Oh c'est moche. C'est un arbre de Noël avec des... Des morceaux de fourmis en fait. Oh c'est horrible. Ah, ça aussi. Oh là là. Ouais, c'est pas... hein. C'est sympa, hein, mais... Ça fait un peu... Ça fout les frissons, quand même. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est des bombes. Donc, c'est ça. Donc, on a de la moisissure, c'est pas mal. Et maintenant, il nous faudrait des œufs de fourmis, en fait. Des œufs de fourmis. Les œufs de fourmis, c'est un peu compliqué à récupérer. Enfin, pff, techniquement, non, c'est pas vraiment très compliqué à récupérer. Je voudrais... faire cuire des trucs et on dort. Je vois rien qui bouge, évidemment. Après, je peux toujours utiliser la hache, le marteau et tout à une main. J'ai pas vraiment besoin de d'utiliser la lance. Ok, très bien. Très bien. On va dormir. Il y a des épisodes comme ça où on a du mal un peu à avancer. Je vais être honnête, on essaye d'aller un peu vite et tout. Mais bon, on a honnêtement trouvé les choses les plus importantes. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder. Don't even need to boil it. Alors, il nous faudrait des œufs de fourmis. Alors, les œufs de fourmis... Pour les faire, ça va être un peu compliqué. Va falloir qu'on crée l'équipement de fourmis, ce serait le plus simple. Donc je pense qu'on peut le faire sans problème. Voilà, très bien. Parfait, on a l'équipement complet. That should keep me safe. Safer. Alors, fourmis, on a les fourmis rouges taxettes par miel, formidable. On a armure légère, on a charge lourde, donc on peut transporter beaucoup plus. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Je sais pas quoi mettre en fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Dégâts de fourmis au cas où si elle nous attaque.
On a une torche sur nous ou pas, hein? Ouais, on a une torche. J'ai pas pris à manger. Bah, ça devrait aller. Oh, poor guy's got allergies. Donc voilà, maintenant on va plus se faire attaquer par les fourmis, ce qui est cool. Et on va pouvoir aller dans leur terrier. Il y a plein de trucs dans leur terrier. Elle est où la fourmi? Elle est la fourmi. Alors normalement, même les guerrières hein, nous acceptent, hein, si je dis pas de conneries. Bon, là, c'était une guerrière. Un soldat. Ouais, voilà, c'est bon. On est bon, on est bon. By the power of Helion, champion of the sun. Ça fout un peu les boules comme ça de descendre doucement. C'est du gravillon. Parce qu'il y a vraiment des choses partout. Hein. Il y a vraiment des fourmis partout. Hein. Ah oui, il y a ça. C'est bien pour récupérer. Les fourmis, elles sont sensibles à quoi, les fourmis? Fourmis... Empalé. Ouais, la lance, mais bon, c'est un peu la lance de merde, quoi. Alors, ça, on peut le casser. Très bien. Alors, par contre, quand on va... Quand on va prendre des œufs, elles vont nous poursuivre en fait. Si on a des œufs sur nous, c'est la merde. Elles vont pas aimer ça. Donc faut penser à ça. Ah oui, il y a des passages sous-marins. J'espère que ça va pas. C'est pas très grand. Ok. Ouh. J'ai l'impression que c'est plus facile à les casser. Ou alors c'est parce que c'est des bas niveaux, j'en sais rien. Ah, je me rappelle d'ici. Jambière abeille pourrissante. Il y a un cadavre là en fait, il y a des os. Et apparemment ça c'est l'équipement de quelqu'un en fait. Et du coup, on a les versions pourrissantes. Donc ça, c'est un des œufs. Là, on peut encore descendre plus profond. Je crois que c'est où elle nous attaque parce qu'on a des œufs sur nous, ou alors si elle nous voit prendre des œufs, peut-être. Ant crossing. Pour le moment, ça a l'air d'être ok. Ouais, mais ça doit être lié à la... Si jamais il y a des... Ouais, si jamais il y a des fourmis, en fait, proches. Je pense. J'avoue que c'est un super endroit hein, pour faire ça. Genre c'est pour ça que techniquement on devrait avoir du meilleur équipement et tout. Mais bon, comme j'ai dit, hein, on a bien avancé. Il nous en faudrait plus par contre des œufs. Alors je crois qu'il y avait eu des tests avant. En gros les œufs... Ouh, parfait. Comment fonctionnent les œufs? C'est que... Alors vous allez en trouver comme ça aléatoire. Mais je crois que... Plus vous tuez de fourmis, en gros il y a une sorte de vrai cycle, on va dire presque, c'est presque un vrai cycle naturel. Plus vous tuez de fourmis, et plus elles vont faire des œufs, en fait. Et du coup, plus vous allez en trouver. Je crois bien que c'est comme ça. Je sais pas si on descend ou pas. Pourquoi pas. J'ai... On va voir
Ah, ça, c'est un... Ça, c'est un 2, ça. Ouh! Une puce. Très bien. Ah! Oui, putain, oh, putain, j'avais oublié ça. On a ça aussi. Mon dieu, j'avais oublié. Les œufs, ils vont. Ça va faire des fourmis. Ok, pôle d'abeilles pourrissantes. Ah oui, et là, c'est un garde-manger. Donc, il y a plein de biscuits. Faut qu'on rentre et qu'on les utilise, les œufs. Ah, je crois qu'on est retourné à la... au début. Parce que du coup, les œufs, ils vont éclore, en fait, dans notre sac. Enfin, ça fait juste apparaître une fourmi à côté de nous, si je dis pas de conneries. C'est un gravillon, ça ? Ah, c'est pas le bon endroit, si. Non, c'est pas le bon endroit. Ça doit être là-haut. Ouais, ça c'est un peu le problème du... des œufs, quoi. On peut pas les garder indéfiniment. On est obligé de faire des bombes directement. Mais ça va, on s'est pas fait attaquer, rien. Allez, go. C'est où là? Go. Faudrait les analyser aussi. Très bien. Ça va, on a encore le temps. On a... ça, c'est très lent en fait, ça va. Flèche à la menthe, pas mal. On va analyser ces trucs aussi. Et il nous manque juste une partie pour avoir le set complet, c'est pas mal. Fourmi noire. Ah, j'ai plus de charge. Alors en fait, faudrait que je tue plus de fourmis. Faut que je fasse un petit génocide de fourmis. Comme ça, il va avoir des œufs partout. Alors, hop. On a nos bombes. Très puissantes. Extrêmement puissantes. Extrêmement puissantes. Je sais pas où les mettre en fait les bombes. Est-ce qu'on les met en raccourci ou pas? Très bien, on a récupéré aussi des miettes de biscuits fourrés. On peut les utiliser en cas ou alors pour crafter des trucs plus gros. Ça aussi. C'est l'équipement. J'ai déjà plus de place dans l'équipement, quoi. Il faut que je fasse encore un coffre, c'est horrible. Bon ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On a bien avancé. Je pense que la prochaine fois, je vais voir en fait si je peux pas me faire une meilleure arme à une main. Je sais pas vraiment quoi. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix en fait en arme pour le moment. Arme à une main, il y a pas grand chose. Il y a vraiment le... Ça c'est pas mal, mais faut farmer des abeilles. Les abeilles, il y en a pas beaucoup près de nous. Donc bon. Après, on a toujours les petites dagues. Ça c'est pas mal, ça fait de l'empoisonnement et tout, c'est vraiment puissant.
Je crois qu'on a une épée larvaire qui est un peu mieux, qui est quelque part, je sais plus où, mais elle est pas très loin. Aiguillon de moustique. Tiens, on pourrait... Non, on pourrait pas le faire. Enfin, les moustiques sont pas très très chiants à tuer, mais je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas si ça vaut le coup de le faire, en fait. Mais ouais. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. On a bien avancé. On a récupéré ce qu'on voulait. Je vais peut-être faire un... Je sais pas, peut-être un deuxième run pour récupérer, pour faire plus de bombes. Je suis pas très très sûr encore. Mais on verra. Et la prochaine fois, on retournera dans le gaz, je pense, encore une fois. Mais je vais peut-être farmer un peu, histoire de récupérer des objets que j'ai pas, genre peut-être faire le moustique, la rapière, peut-être des trucs comme ça. Histoire de s'améliorer un peu. Et aussi, on a eu plein de pierres, donc maintenant on peut améliorer nos choses. Ouais, on a eu pas mal de pierres. Donc ouais, on peut encore réaméliorer nos trucs. Donc c'est cool. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.